Ok, t'es vraiment en train de me dire que genre je peux pas aller directement à l'emplacement qu'il faut? Eh ben quoi, y a un problème? C'est bien ici qu'il fallait transporter ta cuvette, non? Quoi? Au sommet? T'aurais pu le dire plus tôt. Pas question que je retourne dans le ciel avec cette affaire qui pèse 3 tonnes et les corps. Bzz, 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 bzz. Ok. Oui, t'es vraiment en train de me dire que va falloir que je remonte au sommet. C'est infesté de monstres ici. Enfin, en temps normal, j'en ferais du matériel à dépotoir en un rien de temps, mais disons que j'ai les mains pleines en ce moment. Tiens, puisque t'es là, maître en verre, tu vas nous montrer de quoi t'es capable. Tu vas me servir de bouclier, je resterai derrière toi. Pourquoi? Sérieux, pourquoi? Surtout, laisse pas les monstres toucher un seul de mes boulons, pas un seul. Ok. J'ai compris, on va devoir jouer à Call of Duty. Donc il faut vraiment s'amuser à les tirer et de se frayer un chemin à travers tout ça. Ok, pas le choix. Hein? Par contre, j'ai plus beaucoup de flèches. Dites-les, recevez, hein. Ok. Et lui, je peux le tirer tout de suite. Ok, ça l'a pas tué. Je pensais que ça le tuait. Est-ce que je tire sur son bouclier ou ça... Ok, ça vient de le tuer. C'est bon. Ça a pris par contre vraiment un bon moment avant que je le tue, mais... Oh, bon, 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 bon. Je sais pas qu'il y en avait un qui était ici. Ici. Est-ce qu'il y en a d'autres quelque part d'autres? Je sais qu'on peut traverser. C'est peut-être une mauvaise idée, mais moi je dis que je suis capable de traverser. Logiquement, ça me dit que je dois me rendre en haut complètement de la montagne. Il y a un car qui est ici, je peux pas aller le prendre tout de suite. Voilà. Et ça me donne des flèches, ouais, nice. Qu'est-ce qui est bien quand même? Oui, ok, on a refait le niveau, puis on doit se promener sur certains emplacements. Mais ce qui est plaisant au moins, c'est qu'on retourne on tourne sur différents chemins qu'on a déjà traversés. Mais j'ai l'impression qu'on ne refait pas exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est cool quand même. Parce qu'on a des gadgets qui sont différents, donc on va à des emplacements différents, ce qui est assez cool. Les Zelda 2 est nul, ben oui, non, mais clairement... c'est probablement probablement et très fortement le pire Zelda. Je pense que c'est le pire. Ok. Je sais pas pourquoi il partait genre d'un côté comme de l'autre. Est-ce que je m'en vais à la bonne place? Par ici. Monter ici, monter ici. Et aller par ici. Je dirais pas qu'il est nul, mais c'était... Mais c'est que comparé aux autres, non exactement. Puis tu sais... c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. C'est vraiment ça, c'est comparé vraiment aux autres, il fait vraiment pitié. Très très même. Il fait vraiment 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 pitié. Il est très différent, puis je pense que leur idée de le faire ainsi était pas vraiment la meilleure, je pense. Malheureusement. J'ai arrêté car il fallait que je batte un boss beaucoup trop difficile pour moi. Le jeu est vraiment fait d'une façon bizarre. Donc on voulait faire une espèce de système de... d'inventaire, de pouvoir, etc. et tout ça, puis je pense que finalement c'était pas la meilleure idée. Hein. Puis tu sais, de toute façon, c'est comme Castlevania, ça a été un peu la même chose. Hein. Il me semble que Castlevania 2 est un très mauvais Castlevania. 5 flèches mortes, merci. Ouh, la bombe. C'est proche que je l'éclate d'en face. Hein.
Info inutile, j'ai récemment fini Metroid 1. Ouh, nice. Vous avez pas mal fini des jeux. Moi, mon jeu que je suis en train de jouer en ce moment, en dehors du streaming, et que j'ai de la difficulté à le continuer. Ou du moins, c'est juste parce que j'ai plusieurs choses à faire. C'est Xenoblade 1. Xenoblade Chronicles que je suis en train de jouer et que j'apprécie vraiment beaucoup le jeu. Faut juste que je prenne le temps à continuer à y jouer. Mais jusqu'à maintenant, je le trouve vraiment cool. Et j'ai beaucoup de fun dessus. Faut juste que je continue. J'ai jamais fini Xenoblade 1. Moi, j'ai bien aimé à date. Le gameplay, je le trouve cool. Il est pas si redondant que ça. Puis ça me donne un petit peu une vibe de jeu RPG, mais action. Même s'il est pas tant que ça, mais il est un petit peu plus que les autres. Et c'est ce que j'apprécie quand même. Non, 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 non. Je pensais pas qu'il y avait des ennemis ici. Toi, je te tue. Toi, je te tue. Je vais le tirer. Ouh! Ça aurait pu mal tourner, hein, ici. Et pourtant, ça fait des années que je l'ai. Ah merde, j'ai pas tiré le dernier. Oh, oh. Ouh, le petit kill ici. Il y en a un autre? Non, 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 non. Merci. Ok, il s'est fait tirer une fois, mais c'est bon. Mais non, c'est ça. Faudrait juste que je prenne le temps de continuer le jeu. Mais en ce moment, je joue par exemple à d'autres jeux ou je fais autre chose. Donc, ça finit tout le temps que j'ai pas le temps de continuer. Dans ma liste de jeux à faire, j'ai aussi Skyward Sword HD, mais il est vraiment cool, vraiment. Tu sais, Skyward Sword, je l'avais fait sur la Wii dans le temps. Je l'avais bien apprécié. Mais j'ai l'impression que de le refaire sur la Switch et de le pas faire avec la motion... Je l'ai même pas tué. J'ai l'impression de pas refaire le jeu sur la motion me permet d'aimer un petit peu plus le jeu. Parce que le jeu est vraiment bien fait. Ah, mais t'es... Il va mourir un jour ou... Merci. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi long que ça. Ok, ça c'est fait. Par contre, il me reste vraiment pas beaucoup de flèches. Je vais pas récupérer l'argent. Par contre, j'ai commencé à Link to the Past et mon dieu qu'il est mieux graphiquement. Je le trouve magnifique. Maniabilité, ça va. Il reste quand même difficile. Mais il y a quelques problèmes de hitbox, mais ça va, c'est un vieux jeu. À Link to the Past, c'est probablement dans les meilleurs jeux vus de haut, si on peut dire. Oui, ça... Ah, non, 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 non. Probablement dans les meilleurs Zelda vus de haut, hein, selon moi. Ça, puis les Oracle of Season, puis Age, c'est probablement les meilleurs, à mon avis. Je joue tellement avec le feu en ce moment. Ok, on va essayer de le contrer, I guess. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Pourquoi je viens de faire ça? Dis-moi pas que je recommence tout en bas, merci. Wow, 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 wow! Tu fais attaquer de partout! Et là, je sais pas quand même... Non. Ok. Et il faut qu'on essaie de dealer la chose. Puis là, je pense que je vais juste reculer parce que lui, il arrête pas de m'énerver. Fait que reviens par ici. Non, mais reviens. Non, mais... Pourquoi il se fait attaquer? Ouh! Ouh! Sauté par-dessus! C'est ce trick shot que je viens de faire sans le vouloir. Ow! Est-ce que je peux remonter? Waouh! Tellement la pire façon. Mais je l'ai réussi à le battre. C'est parfait, c'était voulu. Tout était calculé, hein. Tout était calculé, hein. Vous pouvez voir dans mon visage. Il n'y avait pas de stress. Il n'y en avait aucun, hein. Tout était sous contrôle. Ok. Non, ça c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas faire ça non plus.
Par contre, il me reste vraiment pas beaucoup de flèches. On traverse ici. Suis-moi, petit robot. Parce qu'on est bientôt rendu où qu'on doit se rendre. C'est quand même long d'aller d'un emplacement à l'autre. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi long que ça de le transporter d'un côté et de l'autre. Il aurait pu juste monter sur le sommet au lieu de faire... Oh là là, je suis parti à l'autre bout du monde parce qu'en gros, ben, il fallait que je le suive. Non. Normalement, je peux faire ça, puis... Ok, ils ont quand même peur, la bombe. À moitié. Ah, ils l'ont bloqué. Ok. De façon que je peux les tuer. Ok. On va essayer. Essayer de faire quelque chose. J'espère qu'il n'est pas descendu hein, avec. Merci. Voilà. En plus, moi, ma chance phénoménale que j'ai, je suis full cœur, le jeu m'en donne masse et que quand j'en ai besoin, ben, je trouve pas la même chose pour les rubis. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Le jeu est basé sur le fait que j'ai le jeu. Mais c'est juste que ça arrive souvent, ce genre de truc que. Hey, j'ai besoin de cœur à un moment précis, puis finalement, le jeu, il t'en donne jamais. Hey, j'ai besoin d'argent pour faire tel truc, le jeu, il t'en donne pas. C'est comme une suite logique. Hein. Ça m'arrive très souvent dans les jeux vidéo, ça n'a pas de sens. Ok, ça c'est fait. Et là on va pouvoir se rendre enfin à cette porte. Voilà, merci. C'est là-dessus qu'il faut verser l'eau. Ok, je m'en occupe. Imagine qu'il manque son coup. Voilà, merci. Mademoiselle Faye, tu as vu ce que j'ai réussi à faire? Si je peux être encore utile, appelle-moi ma douce. Ma douce. Mais c'est ça, fait juste partir. Ma douce, wesh. Les flammes qui bloquaient le chemin ont été éteintes, je vous conseille d'avancer. Merci, Faye, de ce conseil digne des plus grands. Hein. Je vous conseille d'avancer. Je vous conseille d'arrêter de jouer, parce que vous avez assez performé dans ce jeu, donc ne continuez plus, s'il vous plaît, ça sert à rien. Merci, Fée. Toujours aussi utile, tes conseils. J'ai 999 rubis, il me dit, tiens, 50 rubis, puis 20, et puis 300, et puis merci, mais j'en ai pas besoin. Eh oui. Ça l'arrive souvent dans les Zelda, ce genre de trucs. Dans les moments que tu trouves des quarts de cœur, tu veux pas en avoir, puis quand tu trouves des rubis, c'est quand tu trouves, mettons, à l'inverse, ben, c'est ça. C'est comme une explication qui est juste logique. Donc, le grand sanctuaire ancien. Ouh, il y a les petits hiboux. Ok, j'aimerais bien trouver des flèches. Ça serait quand même cool. À moins que vous me dites que je peux prendre ça. C'est des bulles d'eau. Ouais, c'est des bulles d'eau. Ça veut dire que ça, je peux faire des bulles d'eau. Ah, ça me fait vraiment penser à Wind Waker, ça. Ça, j'ai comme une petite vibe de Wind Waker avec ce genre de principe. Hein. Si celle-ci va avancer, je te gâche. Voilà. Oui, là, par contre, j'ai pas de flèche. Ce qui est un peu frustrant, fait qu'on va juste s'amuser à esquiver un peu tout le monde. La 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 la, vous allez jamais me toucher. Là, vous me faites chier, merci. J'espère recevoir Tears of the Kingdom le 12. Pourquoi tu le recevais pas le 12, Yachar? Ah, des flèches, merci. Tu me fais chier, merci. Écoutez les flèches.
Il est tombé, par contre, on vient de perdre des flèches. Je suis capable de l'attaquer avec mon éclat directement. Et coup de grâce, merci. Et ça, je suis prêt à mettre ma main sur le feu que c'est une clé. Je suis un devin, c'est une clé. Mad Bob, comment t'as fait pour deviner? Je sais pas. Je sais pas. La première fois que je précommande, ça devrait bien aller. Tu peux précommander dans un gros magasin ou non? Oh merde, Aurelio! Oh, enfin un peu d'air! Oh! Fais-moi pas peur comme ça, je pensais que tu étais un monstre. Oh! Je vois que t'as des gants creuses tout. Dis-moi, t'es qui? Tu fais quoi ici? Bah, je cherche des trésors, ouais, c'est ce qu'on fait, hein. Je vois. Hein, moi? Je suis Aurelio, Mogma en chef. Pour ne rien te cacher, c'est moi qui ai inventé les gants que tu portes. Oh oh oh. Ouais, il me semble que t'as l'air un peu perdu. Pas le genre de gars que j'amènerais à la chasse au trésor. Bah, je me trompe peut-être. Dis-moi, tu es au courant? On dit qu'il y a un grand trésor ici. Aucun de ceux qui l'ont cherché n'est jamais venu pour m'en parler. Combien de chasseurs de trésors ont disparu ici? Personne ne le sait. Je t'avertis en tant que compagnon chercheur de trésors. Salut Jean-Simon en passant. Hello. J'aime bien la petite grenouille qui fait comme... Hey. J'espère que tu vas bien. Parce qu'on veut, savoir ce que Aurelio va nous conter. On veut savoir... Oh, je vois. Laisse-moi te raconter une légende qui circule parmi les chasseurs de trésors. Est-ce que c'est le temps qu'on dort? Est-ce que c'est le temps qu'on s'endort? Ou pas encore? Elle est bien connue comme de tous les magmas. T'es prêt? La statue qui serait ne sommeille face à sa sœur est la clé du passage vers le trésor des rois. Rassemble ton courage et fais taire ta peur. Jette-toi dans sa bouche et la voix s'ouvrira. Rappelle-toi... Non, ok, on veut répéter, j'ai vraiment pas porté attention. J'ai tellement lu le truc, mais j'ai fait comme... Oui, c'est simple, mais finalement, ça l'est pas. C'est gentil, merci, mais c'est gentil à toi de venir me dire un petit coucou. J'espère que tu vas bien, Jean-Simon. Est-ce que tu passes un beau lundi? Un beau début de semaine. Oh, oh, ça t'intéresse? Ben oui, ça m'intéresse. Ok, on écoute. Donc, la statue qui sereine sommeille face à sa sœur. Donc, une statue face à sa sœur est la clé du passage vers le trésor des rois. Rassemble ton courage et fais taire ta peur. Jette-toi dans sa bouche. Donc, sur la celle de sa sœur qui fait face à l'autre. Ok. Oui, on a compris, je pense. Mes gars sont en train de fouiller les environs à la recherche des trésors. Si tu perds, n'hésite pas à leur demander conseil. Ok, parfait. On va garder ça en tête. Oui, ça va super bien aujourd'hui. Nice! Je suis bien content de ça. Bien content de savoir que ça va bien. Et là, c'est la question qui tue, que tout le monde est habitué d'entendre aujourd'hui avec l'annonce qui a été aujourd'hui faite. Est-ce que tu es prêt à regarder le Zelda Direct de demain qui va durer 10 minutes pour savoir un peu plus sur Tears of the Kingdom? Je pense que tout le monde est hype. Hein? Tout le monde est hype par rapport à ça. Et comme il a genre dit, la légende de Water Dragon, Batwater. Exact. Celle qu'on doit se lancer dans la gueule du loup. Directement. Pour de vrai, t'es vraiment pas intéressé? Est-ce que c'est que t'es pas intéressé ou juste que tu veux pas te faire spoil? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas se faire spoil. Ah, voilà. Donc, t'es pas tout seul. Il y a certaines personnes qui veulent pas se faire spoil. Il y en a certaines aussi qui m'ont dit aujourd'hui qui vont juste lire ce que les gens en parlent sur Discord. Et il y en a d'autres qui veulent vraiment pas regarder. Fait que tu fais partie des gens qui ne voudront rien regarder. Moi, je suis juste curieux. Fait que c'est ça le problème, c'est que la curiosité... Et en gros, je veux juste savoir un peu plus côté scénario du jeu. C'est ça qu'est-ce qui me rend curieux de la chose. Fait que j'ai bien hâte de voir demain, je veux juste regarder. Puis en même temps, je veux pas me faire spoil après. Fait que c'est pour ça que ça joue en même temps. C'est comme un couteau à double tranchant. Je me dis, si je regarde pas, je vais peut-être me faire spoil par des gens encore plus que qu'est-ce que j'ai. Et si je regarde, ben en même temps, les gens qui vont vouloir en parler plus, ben, je vais l'avoir regardé. T'sais. Mais... je vais faire attention si jamais je dis des choses ou n'importe quoi après. Pour pas spoiler les gens, faut toujours faire attention à ça. Mais sinon, pour répondre, Yoshar, à ce que tu disais par rapport à Amazon, je suis prêt à dire que t'auras pas de problème. Hein. Plus souvent qu'autrement, les précommandes Amazon, ça se passe très très bien. Tu les reçois le jour même. Ça dépend juste de l'heure. Mais normalement, y a pas de problème. Je vais garder mon infirmière à la sortie. Je comprends ça. Moi, j'ai bien hâte de jouer au jeu parce que... À Breath of the Wild, j'ai vraiment eu beaucoup de fun à jouer de mon côté, vraiment, jouer en dehors du streaming. Puis juste vraiment comme de profiter. Attends, wait a minute. Peux-tu faire quelque chose? Je peux faire ça, mais ça sert à rien. Yep.
Mais non, c'est ça, c'est j'ai eu vraiment du fun à rentrer dans l'histoire, de juste comme pas me casser la tête à essayer de comprendre qu'il y avait une main ici, merci. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Non. À moins que la main prenne le truc. That's cool. J'aurais pas pensé à ça directement, mais c'est cool. Mais non, c'est ça que je disais, c'est vraiment de m'imprégner de l'histoire, de mettre mon casque d'écoute, que je faisais juste me promener dans le jeu, puis de me rendre à différents endroits, me dire, ok, je vois une montagne, je m'en vais à la montagne, je vois après, je sais pas, une espèce de désert, je vois tel truc, je vois une grande bâtisse. C'était vraiment juste de me promener dans le jeu. J'appréciais vraiment beaucoup l'expérience de Breath of the Wild. Mais c'est le scénario de Breath of the Wild que je trouvais un peu moins peaufiné versus les autres. Et c'est pour ça que Tears of the Kingdom, j'espère vraiment que peut-être ça accroche. J'espère vraiment que ça va être le genre de Zelda open world avec une merveilleuse histoire. J'y crois. Je serais comme un petit garçon si jamais c'est le cas. J'ai hâte de glitch encore à travers la map. Oui, non, mais ça, tout le monde va s'amuser à chercher des glitches à travers la map, c'est sûr et certain. C'est un incontournable, comme on dit. C'est sûr. Comme ça, les gens, après, ils vont essayer de trouver la manière optimale de pouvoir speedrunner Tears of the Kingdom. Ça va pas prendre beaucoup de temps, c'est sûr et certain. Je devrais tenter Tia, alors. Mais je risque de me le mettre sur ma wishlist. Parce que, comme je te dis, le jeu m'intéresse quand même. Je suis très curieux de la chose. Encore une fois. T'es vraiment sérieux que je l'ai battu aussi rapidement que ça? Ok. Je m'attendais que ça soit un petit peu plus complexe, mais finalement, ça s'est passé très bien. Hein. En plus, je ne pourrais pas profiter tellement de Tears of the Kingdom, car Breath of the Wild n'est pas à moi ni la console. Ah. Mais j'espère quand même que d'ici là, soit que tu te procures une Switch, ou... que la personne soit tellement aimable et tellement gentille qu'elle te laisse jouer pendant un certain temps au jeu. Ce serait fou quand même. Imagine qu'elle dit genre, je sais que Tears of the Kingdom est un jeu que tu attendais depuis si longtemps. Je te passe le jeu et tu pourras y jouer sans problème. Ce serait fou pareil. Imagine toutes les possibilités qui s'offrent à toi. C'était pas logique ce que je viens de faire, de me tirer là-dessus. On va aller chercher l'argent. Hop, hop, merci. Je veux dire, je pourrais profiter pleinement de... Ah, ok, j'ai mal lu. Je pensais que tu ne pouvais pas. Ah, d'abord, c'est pas un problème. Ok, sont-tu... Oh, je l'ai manqué. Ok, les chauves-souris, vous m'énervez aussi. Je peux même pas utiliser d'items pendant un certain temps. C'est chiant quand même que c'est pas juste les items, c'est vraiment comme tout arsenal d'attaque que je peux pas utiliser quand que j'ai l'espèce de malédiction. Avant, il me semble que c'était juste les... que c'était juste les l'épée, mais semble-t-il maintenant que c'est pas mal tout au complet. Ok, ça coule, c'est pas une bonne chose, faut que je le laisse... Et je dois réfléchir un peu avec mon cerveau. Un petit peu plus de choses à faire. Parce que ça bouge pas. Il reste ici. Fait que c'est à partir de là vraiment que ça pousse. Et probablement que c'est à partir de là que ça pousse aussi. Donc il y a vraiment un système de lave que je dois pousser d'un emplacement à l'autre. Que là en ce moment, c'est pas le cas. Et c'est rien de ce côté-là qu'on peut faire. Je pense que je pourrais regarder le direct demain. De toute façon, YouTube m'a déjà spoil un peu pour de vrai. Ah, les gens. Les gens sur les internets. Est-ce que par hasard c'est de prendre une bombe et de le lancer? Ok, attends. Je pense que j'ai une idée.
Comment tu trouves Zelda Skyward Sword? Je le trouve bien. En gros, je me souvenais qu'à l'époque, il avait vraiment ramassé la grosse claque et c'est pas la première fois que je fais le jeu. En gros, je l'ai déjà fait par le passé. Et je l'ai fait sur la Wii à l'époque. Et je me souviens que j'avais bien apprécié le jeu, mais vraiment, il avait ramassé comme une grosse claque au grand complet. Je trouve que les énigmes sont très très bien faites, mais j'avoue que de refaire le jeu avec, avec une manette, au lieu de le faire directement avec le motion, je le trouve, je vais pas dire plus plaisant, mais je vais dire que ça y donne une seconde vie. Et du fait aussi qu'à l'époque, j'ai pas tant de souvenirs. Je suis en train de jouer au jeu, puis il y a beaucoup de choses que je fais dans le jeu que je me souvenais vraiment pas. Fait que je te dirais que c'est pas dans mon top 3 de mes Zelda préférés, mais c'est probablement un top 5 facile. Probablement qui c'est un très bon Zelda, mais c'est pas la crème de la crème, mettons.